Si Lucifer est aussi dangereux que le dit le Conseil, pourquoi ils n'ont envoyé que nous deux ? Mort et Fury ont d'autres affaires à régler. Il ne nous appartient pas de contester la volonté du Conseil. Il ne m'appartient pas de contester ta garde-robe, mais je trouve que ton armure aurait besoin d'autres visages flippants. Pourquoi faut-il que tout soit sujet à plaisanterie avec toi ? Le Conseil ? Faut vraiment que tu te détendes un peu. Le Conseil ceci, le Conseil cela. Tu veux entendre une plaisanterie ? Une vraie ? Non. Toc toc. T'es censé répondre, qui est là ? Pourquoi révélerais-je ma position ? Je détruirai simplement la porte et j'affronterai mon agresseur. Oh, t'es désespérant. Regarde, sous la grille. Tu crois que c'est l'artefact de Vulgrim ? Ces glyphes indiquent une sorte de mécanisme de verrouillage. Il semblerait que notre mission sera plus difficile que nous le pensions. Est-ce que tu te souviens d'une mission facile, toi ? Thank you.
l'impression que c'était la dernière cage d'âme. Lugrim devrait être satisfait. T'es pas content de m'avoir écouté? Allez, dis-le. Frère, t'avais raison. Il survient, de temps en temps, un moment où tes propos ne sont pas complètement vides de sens. C'est censé être un compliment?
l'artefact, repartons d'ici. Et moi qui croyais que cet endroit te réchauffait le cœur. Tu sais pourtant que ton humour me laisse froid. Ouais, je sais que toute forme d'humour te laisse froid. Je me demande pourquoi ce machin est si précieux pour cette goule dévoreuse d'âme. On pourrait convaincre Vulgrim de nous en donner un peu plus. L'artefact en échange d'informations. Nous honorerons notre accord. Sérieux, il devrait carrément nous prendre par la main et nous mener jusqu'à Lucifer. Alors retournons parler à Vulgrim. Dans son intérêt, je lui souhaite que sa générosité se soit grandement améliorée. Vous avez réussi. Oui, oui. Donne-le-moi, cavalier. Tu es bien excité à propos d'un caillou brillant, Vulgrim. À chacun ses petites manies. Un caillou brillant, vraiment? Regarde de plus près. Ah! Enfin un peu de place pour me dégourdir les jambes. Qu'est-ce que vous regardez tous? Vulgrim, tu es vivant. Manifestement, notre arrangement tient toujours. La pierre est une prison? C'est comme ça que tu traites tous tes partenaires d'affaires? Et je m'en souviendrai. Tout ça est sans importance. Nous devons trouver Lucifer. Que sais-tu, Vulgrim? Lucifer? Qu'est-ce que vous voulez à ce charmant personnage? Toute chose est liée, cavalier. Dis a été capturée alors qu'elle cherchait un objet de la plus haute importance pour Lucifer. Elle a une dette envers moi. Ouais, c'est une façon de le dire. Quel est cet objet que cherche Lucifer? Il s'appelle le cœur d'Ignescence. Il contient la puissance d'un millier de soleils. De quoi mettre immanquablement un démon dans tous ses états. Du coup, je suppose que ça contrecarrerait les plans de Lucifer si on le trouvait avant lui. Je pense qu'on peut parier là-dessus, oui. Tout ce qui peut nous rapprocher de l'imposteur mérite qu'on s'y intéresse. Le cœur d'Ignescence est conservé dans une forge démoniaque appelée la Voûte des Enfers. Mais deux redoutables cavaliers ne devraient avoir aucune difficulté à le récupérer. Épargne-nous ta flagornerie, démon.
Contente-toi de nous ouvrir le passage. Notre relation s'épanouit sous les meilleurs auspices. Bienvenue, bienvenue. Oui, faisons affaire. Faites attention à vous. Ne précipite pas. Je suis toujours partante pour faire des affaires. Thank you.
La voûte des enfers. Elle existe uniquement pour forger des armes qui s'opposent aux forces des cieux, et pour anéantir le travail des fondateurs. Et si on en profitait pour anéantir quelque chose, nous aussi ? Notre mission est de récupérer le cœur d'Ignescence. Bien sûr. Mais pourquoi on s'amuserait pas un peu en chemin ?
Ah!